Oui, Annie Schatz, bonjour. Le festival Mascarette, donc, dont nous vivons la deuxième édition, a été créé par l'Institut d'études occitanes de Gironde, l'Ousta Occita, pour promouvoir la culture et la langue occitane et pour proposer aux Bordelais et aux Girondins un ensemble de manifestations pour présenter l'actualité et la contemporanéité de la langue aujourd'hui. Et moi, je voulais plus particulièrement vous parler en tant que président de l'Institut de l'Ousta Occitan, de cet Ousta et de cet institut qui a été créé en 1945, qui est une association et qui prône et qui veut développer l'Occitan. Donc aujourd'hui, en Gironde, nous développons cette langue par le biais de cours d'adultes dans 33 communes, dont 7 ou 8 en Gironde. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que l'Ousta Occitan propose, dans le cadre de la réforme, des cours en périscolaire et donc initie les enfants dans les écoles à partir de 4 heures sur la langue occitane. Aujourd'hui, j'invite tous les Bordelais et Girondins qui veulent découvrir la langue, mais aussi ou la redécouvrir, à venir à l'Ousta Occitan et venir sur le site pour voir comment on peut aimer et re-aimer l'Occitan. Je m'appelle David Escarpit, je suis doctorant, chercheur à l'Université de Bordeaux 3 en littérature occitane. Je suis également membre de l'Institut d'études occitanes d'Aquitaine et de Gironde, donc l'Ousta Occitan, organisateur de la journée d'aujourd'hui. Je suis également collaborateur du CPLO, Conseil permanent de la langue occitane, pour quelques travaux de lexicologie. Et enfin, je fais partie de la marque La Laouzette, qui est une marque bordelaise, donc de produits textiles, de t-shirts occitans bio.